Donc nous avons aujourd'hui François Brune et puis Joachim Boufflet qui vont avoir la gentillesse de répondre à quelques questions sur le thème de Fatima, puisque nous sommes en 1917 et que nous allons bientôt fêter le centenaire de la grande apparition de Fatima. Donc je voulais vous poser une question qui est destinée à éclaircir un certain nombre de points d'ombre et éclairer un petit peu les gens qui se posent des questions sur ces apparitions, sur les différentes théories qui ont pu courir sur Fatima et vraiment rétablir une réalité que nous ignorons tous. Le thème principal de cette interview, en ce qui me concerne, c'est de savoir si l'Église a eu une influence. Est-ce qu'il y a eu récupération, transformation, manipulation de tout ce que les enfants ont pu dire ou voir? Donc je pense que c'est notre ami Joachim qui va répondre à cela. Récupération certainement, c'est son rôle, ne fût-ce que pour contrôler. Manipulation, non, certainement pas. Et transformation de ce qu'ont dit les enfants, encore moins, non. Non, là, on a les témoignages de premier plan, immédiats, des jours, des apparitions qui n'ont jamais varié. Parce qu'on a parlé de Fatima 1 et Fatima 2, c'est-à-dire deux analyses petit peu divergentes. Parce qu'il y a eu, il faut bien distinguer, d'un côté, il y a eu le cycle des 5 apparitions de 1917, et ensuite, il y a eu tout ce que Lucie, la principale voyante et la seule survivante, a vécu après et qui explicitait en quelque sorte ce qui avait été dit en 1917. Et c'est pour ça qu'on a fait cette distinction entre Fatima 1, qui sont les apparitions publiques de 1917, et Fatima 2, qui est tout ce qui a suivi. Fatima 2, c'est 1942, c'est cela ? Non, ça a été connu en 1942, d'accord. Mais ça a débuté bien avant. D'accord. Oui. D'accord. Ça a débuté pratiquement en 1921-22. Alors, comment peut-on différencier un petit peu Fatima 1 de Fatima 2? Ben simplement, Fatima 1 sont les apparitions publiques, les 5 qu'on connaît, et Fatima 2 sont les révélations que Lucie a reçues après. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. J'ai vu des choses qui m'ont un petit peu surprise à propos de l'apparition. Alors, j'ai vu ce dessin, par exemple, que je montre, je ne sais pas si on voit bien à la oui. Caméra, voilà, hein, qui représenterait l'apparition telle qu'elle aurait été vue par les enfants. Alors, bien sûr, ça ne fait pas du tout penser à la Vierge, qui est très belle d'ailleurs, et qu'on peut voir se promener le soir sur l'esplanade de Fatima. Quelle est la raison de ce dessin, de cette différence entre la représentation et... Je ne connais pas la raison de ce dessin. Je sais qu'il existe, je le connais, le dessin lui-même. En tout cas, il ne correspond en rien, mais absolument en rien, aux premières déclarations et descriptions des enfants. Ça, c'est catégorique. Ils ont parlé d'un brouillard au départ, si j'ai bonne mémoire. Non, ils ont parlé d'une lumière, une vive lumière, une dame de lumière, habillée tout en blanc, plus blanc que la neige, portant un chapelet, et avec une sorte de collier avec un petit globe, c'est tout. D'accord. Et un voile. Et ce dessin, il a été représenté par qui, quand il est intervenu beaucoup plus tard, hein, plus de 10 ans après, par tout un groupe qui s'était réuni autour d'une autre voyante, entre guillemets, de Fatima, qui était une gamine qui aurait vu quelque chose et qui a été frustrée ensuite de ne pas voir, pas continuer de voir, et qui s'est inventé une histoire parallèle. D'accord, donc c'est elle-même qui a fait le dessin, c'est pas... Je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait, mais il a été fait d'après ses descriptions. D'accord. Donc ça n'a rien à voir du tout avec... avec la déclaration de trois petits enfants. Il y a eu un rapport qui a été réalisé par le père Danis, hein, publié en 1952, qui a priori soulève quelques contradictions dans les récits des enfants. Pas des contradictions. En fait, il estimait que Lucie avait extrapolé ou développé des thèmes qui n'étaient pas présents dans les apparitions de 1917. Et c'est lui qui a fait la distinction entre Fatima 1 et Fatima 2. Et en fait, quand on a revu toutes les sources, les lettres échangées entre Lucie et ses confesseurs, les déclarations de ses compagnes, etc., on s'est aperçu que tout ce que Danis a découvert comme original était en fait déjà contenu dans tout ce que Lucie disait.
Donc, oui. Il n'y a pas eu de nouveauté. Il n'y a pas eu de nouveauté, d'accord. Alors que certains ont voulu faire croire qu'il y avait eu des nouveautés. Faire passer Lucie pour une menteuse, pour une illuminée, pour une force mystique, etc. Donc elle n'en a pas rajouté au fur et à mesure du temps. Pas du tout, non. Non, mais il suffit simplement de dire son autobiographie, non. J'ai eu aussi un problème avec les clichés des apparitions. Quand le phénomène lumineux s'est manifesté, on voit les gens regarder le soleil, et il y a eu un cliché qui aurait été pris le 13 juin 1925, hein, que l'Osservatore Romano aurait reconnu comme étant un cliché authentique, et qui en fait était un cliché postérieur, pris par quelqu'un qui aurait confondu. Est-ce que... Confondu, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était un faux cliché du prétendu miracle du soleil. Il n'y a jamais eu de cliché du miracle du soleil lui-même, ça n'existe pas. Et l'Osservatore Romano a été piégé, l'a publié, et ensuite a été obligé de se fendre d'un démenti. D'accord. Donc en fait, ils ont rétabli d'eux-mêmes la réalité. Moi, il y a une chose qui m'a assez frappé, c'est que, a priori, quand Fatima s'est produit, la Vierge annonçait la fin de la guerre, les soldats allaient rentrer, et puis à la fin de la guerre, il a fallu attendre une année de plus pour qu'elle se produise. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre les affirmations, les interprétations et la réalité ? Les enfants ont dit que la Vierge leur aurait annoncé que la guerre finirait aujourd'hui. Ça a été le premier terme. Ensuite, ça a été bientôt. Et ensuite, ils ne savaient plus très bien. En fait, il ne faut pas oublier que ce sont des gamins très jeunes à l'époque, qu'ils sont soumis à des pressions épouvantables de questionnement et de contre-questionnement, et qu'à la fin, ils ont dit n'importe quoi. D'accord. Ouais. Je pense, pour en finir avec toutes ces questions, la Vierge a dit que la guerre finissait, basta, quoi. D'accord, d'accord. Ce qu'elle a probablement dit, d'ailleurs. Mais sans préciser quand. Oui. On a eu d'autres cas, en 1944, en Italie aussi, où il y a eu des apparitions, la Vierge a annoncé la fin de la guerre pour bientôt, la guerre est finie un an après. Oui, donc c'est pas un cas isolé, en fait. Hein. Oui. On peut peut-être considérer que, de l'autre côté, entre guillemets, le temps n'existe pas. De toute façon, il y a un psaume qui dit que 1000 ans sont un jour aux yeux de Dieu, et puis bientôt, la guerre qui dure depuis 4 ans, et dont on dit qu'elle va finir bientôt, un an plus tard, c'est effectivement bientôt par rapport à ce qu'il y a eu avant. On peut comprendre les choses comme ça. Alors François, moi j'aurais une question à te poser. Il a été question de messages spirites qui ont été reçus peu de temps avant. Est-ce que tu as eu connaissance de ces choses-là ? Je n'ai jamais entendu parler de ces messages, mais c'est vrai que dans des messages spirites, on peut avoir l'annonce d'événements qui se produisent effectivement peu de temps après l'annonce faite à travers des médiums, oui. Là, il y a plusieurs cas, j'en connais même personnellement, et il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous donner quelques exemples à ce niveau ? On va par exemple, un jour chez un médium, il me dit que mon frère me montre une icône de Saint Benoît. Et alors, c'est le patron des exorcistes. Et effectivement, j'avais l'intention, peu de temps après, de participer à un exorcisme. Mais je n'en avais parlé absolument à personne, personne. J'en suis absolument certain, d'autant que j'étais un petit peu incertain de la chose, un peu mal à l'aise. Et voilà, donc, il me montre le patron des exorcistes, et encore par une icône. Bon. Et ça a lieu après. Mais je crois que souvent dans l'au-delà, il voit des choses qui se préparent. Une autre fois également, c'était dans une séance publique, je n'avais pas déposé d'images, de photos, de personnes. Et voilà que le médium se retourne, puisque j'étais derrière lui, en me disant « on va traduire un de vos livres en russe ». Et alors, je savais qu'effectivement... il y avait deux personnes en Pologne qui s'apprêtaient à obtenir des autorisations, à intéresser quelqu'un. Mais ça n'est jamais venu. Mais ce que probablement, dans l'au-delà, ils avaient perçu, c'est qu'il y avait quelqu'un qui essayait de l'obtenir, qui s'y préparait.
D'accord. Moi, j'ai eu des messages récents qui disaient que tu allais bientôt te rendre en Russie pour la suite à la traduction de tes livres. Je pense être en mesure de confirmer ici, à l'antenne, en direct. C'est une aimable plaisanterie. Certainement pas. Mais je suis très honoré d'avoir été effectivement invité en Russie. Là, tu n'as pas besoin d'avoir des tons de médium pour le... Je suis un faussaire en ce qui me concerne. Mais je suis aussi un mage qui prédit que tu iras en Russie parce que nous allons t'y emmener, François. Je te l'annonce officiellement aujourd'hui. Je ne suis plus en état. Tu vas bientôt l'être. Tu as trouvé un élixir? Oui, oui, tout à fait. Moi-même. Je suis un très très bon stimulant. Alors revenons à nos moutons, à nos petits gardiens de moutons de Fatima, pour parler du troisième secret. Parce que le troisième secret, moi j'ai toujours été assez dubitatif quand on fait que ça concerne un pape qui se fait tirer dessus par un terroriste. Voilà. Donc je ne sais pas, j'aurais aimé avoir votre avis à tous les deux. Moi je pense que c'est une explication qu'on a donnée. D'abord, on n'est pas tenu de la croire. Personnellement, je suis convaincu, mais c'est une opinion tout à fait personnelle, que le troisième secret ne concerne absolument pas Jean-Paul II, ni la tentative d'assassinat du 13 mai 1981, ni quoi que ce soit de ce genre. Je pense qu'il est devant nous encore, qu'il doit se réaliser, je ne sais pas sous quelle forme. A priori, ça ne doit pas être joli, si... On sait rien. En tout cas, pour moi, c'est nul et non avenu cette interprétation. D'accord. François ? Oh ben dans les visions qui sont rapportées, ça semble annoncer quand même une crise terrible pour l'Église, avec massacre peut-être du pape, des évêques et puis d'une grande partie des chrétiens. Oui. Mais d'une certaine façon, c'est un petit peu ce qu'on commence à voir en différents endroits. Et ça pourrait très bien se généraliser. Mais ça peut très bien également être simplement une menace qui a été pressentie, mais qui ne se réalisera pas aussi massivement. Là aussi, on est dans un domaine où tout est subtil et tout est sujet à mille interprétations. Voilà, donc on ne peut pas s'engager là-dessus. Alors à ce moment, si ce que vous pensez est juste, l'Église a un petit peu trafiqué, traficoté, arrangé la réalité pour... Elle a donné une de ses clés d'interprétation, mais comme je le disais, on n'est pas tenu d'y croire. Ce ne sont pas des objets de foi, les apparitions. Fatima s'est déroulée en 1917, juste au moment où la révolution bolchevique commençait. En fait, est-ce que l'on peut considérer que Fatima a la même importance que ce qui s'est passé en Russie et que ça a un sens beaucoup plus général qu'une simple manifestation impériale? Je pense, oui. Les deux événements sont étroitement liés, à mon avis. Fatima explique et annonce ce que va devenir cette révolution. Et... montre d'une certaine façon, avant qu'on le sache, combien cette révolution va être dévoyée dans le sens d'un maximum d'horreur. Et comme disait la Vierge à Fatima, la Russie répandra ses erreurs dans le monde. Ça veut dire ses erreurs, pas seulement idéologiques, mais également des erreurs humaines. Il faut penser au nombre de personnes qui sont mortes au goulag, etc. 100 millions de morts. Oui, à peu près, oui, plus que pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'en parle jamais. Et ça fait partie aussi des erreurs que la Russie répandra. La Russie tenue comme un concept, hein, c'est pas du tout oui. Le peuple russe. Mais elle parlait aussi de la Russie qui allait retrouver la foi au bout d'un moment, donc... Ça veut dire quoi, retrouver la foi? Actuellement, on parle d'un renouveau religieux en Russie. Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que ce n'est pas un moyen politique d'affirmer la puissance de la grande Russie, réunie autour de l'orthodoxie qui, en quelque sorte, fédère cette grande Russie?
Oui, en remplacement du communisme. En remplacement, une idéologie en se substituant à l'autre, quoi. Un prétexte, en fin de compte. Oui, un prétexte ou un moyen. Ou un moyen. D'accord. Toi, François, tu vois ça comment ? Tu vois ça comment, François, toi ? Je pense qu'effectivement, il y a un lien entre Fatima et puis l'annonce de ce qui allait se passer en Russie et de ces massacres épouvantables. Enfin bon, ça c'est clair et net. Sur le renouveau actuel de la Russie, je pense que c'est très variable d'un individu à l'autre. Je pense que pour une part aussi, il y a le sentiment que la grande Russie était liée à une foi intense. Et puis qu'il y a des choses que le gouvernement et la police peuvent réaliser, mais avec de certaines limites. La police peut arrêter tous ceux qui sont sous dans la rue. C'est pas une apparition qu'on entend là. Non. La police peut arrêter tous les soulards et les mettre en tôle. Elle ne peut pas leur redonner le sens de la vie. Et ça, je pense que Poutine l'a compris, et un peu dans son entourage aussi. Donc, il le confie à l'Église. Il n'y a que l'Église qui puisse faire ça. Et là, il y a un désordre moral dans la Russie qui est bien connu, notamment avec cette soûlerie permanente. Bon. Et le seul moyen de redonner un peu un sens à la vieille Russie, c'est qu'elle retrouve la foi. Et d'après les rapports que l'on peut avoir de gens qui reviennent de Russie, autant le régime est assez intraitable sur le plan institutionnel, bon, et indéfendable, mais il y a quand même une aspiration spirituelle très forte et très ouverte et qui se généralise. Alors on ne peut pas compter parce que ce qu'on peut compter, c'est la création des monastères. Or, il y a déjà quelques années, on en comptait plus de 800. C'est colossal. La construction d'églises dans la banlieue de Moscou, qui est devenue une métropole énorme, bon. Alors bien sûr, la construction des églises, c'est décidé à la fois par l'église, en partie par le gouvernement, les mairies, etc. C'est pas uniquement religieux à 100%. C'est autant pour essayer de reconquérir des fidèles que pour assurer un service qui est déjà nécessaire, non. Mais ça se fait quand même. Et là, je crois qu'il y a une ouverture spirituelle dans la Russie actuelle qui est très forte. Et une aspiration, je crois que c'est bien. Oui, on peut dire en fait que le peuple russe a l'âme spirituelle et religieuse, et ses gouvernants peuvent éventuellement s'en servir. Voilà. C'est évident. Ben, l'installation de la nouvelle cathédrale à Paris, qui a été négociée entre Sarkozy et Poutine directement, pas bon. Il est évident que c'est une annexe du pouvoir soviétique, bon, une ambassade de plus. Elle est très belle. Elle est très belle, oui. Oui. D'accord. Alors maintenant, moi j'aurais une question spécifiquement destinée à François, puisque tu es aussi un spécialiste des ovnis, et alors le bruit court toujours que Fatima, c'était un phénomène d'une manifestation d'un objet volant non identifié qui se serait manifesté à Fatima et qu'on aurait interprété comme une apparition religieuse. Quel est ton avis, toi qui es prêtre et passionné par le sujet, sur ce phénomène ? Non, je crois que cette assimilation ne tient pas. Mais j'ai connu effectivement des gens qui étaient profondément chrétiens, croyants à toutes les apparitions de la Vierge, sauf à celle de Fatima. Notamment un contre-amiral qui a écrit tout un livre sur la question, une grosse brique. Et il avait la délicatesse, lorsque dans un petit cercle de spécialistes des ovnis, enfin d'intéressés par les ovnis, lorsque j'intervenais, il ne voulait pas me contredire, alors simplement il s'en allait. Bon, mais je crois que ces arguments ne tiennent pas, en grande partie parce qu'il ne connaît pas suffisamment les autres apparitions de la Vierge. Et dès qu'il y a quelque chose qui lui paraît imprécis, qui lui paraît plutôt étonnant, en contradiction avec l'idée qu'il a des autres messages, il y voit la preuve que ça ne vient pas de la Vierge, voilà.
D'accord. En fait, il fait l'effet inverse de la réalité, quoi, en somme. Oui, d'accord. Joachim nous a gratifié d'un superbe livre, je ne sais pas si on le voit bien, qui est ici. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce bouquin qui vient de sortir? Ben, mon bouquin, c'était simplement revenir aux sources historiques de Fatima et précisément gommer cette différence entre ce qu'on a appelé Fatima 1 et Fatima 2 en montrant que c'est un continuum. Donc en somme, mes questions là trouvent leur réponse dans cet ouvrage. Absolument. D'accord. Et en même temps, c'est également une tentative aussi de sortir Fatima, je dirais, d'un contexte de mauvaise dévotion. Parce qu'on a beaucoup occulté la dimension fondamentale du message, qui est un appel à la conversion, conversion des cœurs, conversion des mœurs, au profit de dévotionnettes que finalement on pratique du bout des lèvres ou de façon machinale, sans qu'il y ait vraiment un vrai mouvement intérieur de conversion. D'accord. D'accord, c'est le message essentiel de l'ouvrage, que je recommande. Eh bien, écoutez. La déviation est très fréquente. Oui, oui, oui. Malheureusement. Malheureusement, oui. On peut assimiler ça à la superstition, peut-être. Oui, ou alors, je dirais, à cette espèce de forme de piété qui se contente de peu de choses en estimant que ça suffit amplement. La foi du charbonnier? Non, la foi du charbonnier, c'est très respectable. D'accord. Plutôt, je dirais, la piété mal comprise. Une espèce de piété, de rite, d'habitude, et finalement une forme de piété dans laquelle on se contente de très peu de choses, quoi. Une façon de faire plaisir à Dieu qui nous dispense après ça d'une véritable conversion. Voilà. D'accord, d'accord. Comme un achat de... Voilà, oui. Voilà. On a fait ce qu'il demandait, on a fait ce qu'il voulait, voilà. Etc. Oui, là, on a notre place au paradis. On a rempli le contrat, donc tout va bien. Oui, tout va bien, d'accord. Oui. D'accord. Oui. On n'a pas à s'engager davantage, on n'a pas à se... D'accord. On a son indulgence, en fait. Oui, quelque part, oui. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette interview fort intéressante.